faut y croire, quoi. On a cru. Il faut qu'il y ait, premièrement, des ruelles étroites pour casser les vents dominants et les vents de sable. Et quand ils sont étroites, vous voyez qu'il y a beaucoup d'ambre, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes en plein Sahara, donc en été, ça tape. Nous, on utilise au maximum les matériaux locaux, c'est-à-dire la pierre, la chaux, le plâtre. Et il s'est avéré que ces matériaux, ce sont d'excellents isolants phoniques et thermiques. Nous, on n'a rien inventé, en fait, c'est juste, on fait que perpétuer en fait la vision de nos ancêtres. Si on prépare la base avec les enfants, on est presque sûr que demain le résultat sera parfait.